suis sûre que vous aviez vos raisons, mais s'introduire dans la maison d'Alfred Lollay n'était pas une bonne idée. Oh, j'espère que Marie et ses voisins... Excusez-moi, monsieur. Vous allez bien? J'ai connu mieux, mais je ne voudrais pas accabler les élèves de mes mots. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. J'en doute. Au fait, je m'appelle Crispin Dunn. Je vends des marchandises dans les hameaux de la région, principalement à Aronshire. Quel joli petit hameau. Et ces magnifiques jardins. L'autre jour, la Gazette du Sorcier a publié un article sur leur charmante haie. En fait, avant de continuer, dites-moi, avez-vous peur des araignées? C'est dur à croire au vu du nombre d'araignées que j'ai tuées, mais j'en ai une peur bleue. Fort heureusement, il semble que vous soyez capable de surmonter vos angoisses, dans une certaine mesure. Ce que je vais vous dire ne va sûrement pas vous plaire. Le hameau en est complètement infesté. Je n'avais jamais vu d'araignée aussi furieuse. J'ai peur pour mes clients, bien sûr, mais il semble que la plupart des habitants du hameau soient partis se mettre à l'abri. C'est pour mon amie Marie que je m'inquiète. Je ne l'ai pas vue et je crains qu'elle ne soit coincée dans sa maison. Je comprends, mais dans ce cas, pourquoi ne pas aller la voir vous-même? J'aimerais bien, mais ces horreurs à huit pattes me terrifient. Et contrairement à vous, je ne contrôle pas ma peur. Je ne sais pas quoi faire. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait aller aider Marie? Je ferai de mon mieux, Monsieur Dunn. Merci. Si vous connaissez quelqu'un d'assez courageux pour m'aider, ça me rendrait service. Merci. Aronshire se trouve au sud-est de Préolard, juste après la gare. J'aurais dû savoir que Harlow avait un adversaire à sa taille le jour de l'attaque des trolls à Préolard. Le village vous doit beaucoup pour nous avoir débarrassés de ce monstre. Je parle de Harlow, bien sûr. Ce doit être à Rancher. Voyons si j'y trouve des araignées. Action! Bombarda! Confringo! Findo! Zéro! Pas d'accès à la C'est ainsi que je le pensais. La dernière. Oh non, ça doit être Marie. Oh, la pauvre. Si Marie élevait ces choses dans sa cave, ça veut dire qu'il y en a d'autres sous terre. Si je veux mettre fin à tout ça, je dois détruire toutes ces araignées, jusqu'à la dernière. Thank you.
C'est ici que Marie élevait les araignées. Elles ont disparu. Revelio. C'est mauvais signe. Ces araignées ont bien dû aller quelque part. Une échelle. Je sais pas si je veux savoir où elle mène. J'ai intérêt à me préparer pour ce qui m'attend là-dessous. La situation empire. Bombarda! Zéro! Je déteste l'idée qu'elle puisse me voir, et pas moi. Dégâts à Ranger. Confringo! Saleté de monstre. Bombarda! J'en suis à la moitié. Je dois détruire toutes les poches d'eau. Bombarda! Bombarda! Antonis! Fin de...
Bombarda! Confringo! Confringo! Antonopis! Héro! Confringo! Bombarda! Dernière poche d'araignée. Je crois que je sais ce qui est arrivé à Mary Portman désormais. Elle élevait ses araignées. J'espère que c'est la dernière. Revelio. Bombarda. Revelio. Bombarda. Une minute. Voici la dernière, et elle est très en colère. Avada Kedavra! Bombarda. Antonopis. Héro. Kindo. Kofungo.
Bombarda. Antonis. Kindo. Revelio. Que Monsieur Pratt apprendra à apprécier son nouvel environnement à la tête de sanglier. Moi-même, je pensais redécorer un peu avant que vous n'interveniez. Monsieur Dunn, j'ai des nouvelles. Merlin soit loué. Comment va ma chère Marie? Désolé, Monsieur Dunn. C'était une victime innocente. Pauvre Marie. Elle a défendu le hameau jusqu'à la fin, c'est certain. Un noble sacrifice. C'était vraiment une femme formidable. Formidable. Elle n'a pas mérité ça. Pas elle. Je suis désolé pour votre amie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous? Vous avez éliminé les araignées? J'ai du mal à y croire. Mais je suis soulagé. J'imagine que la première chose à faire sera d'aider à reconstruire le hameau. Je ne pense pas devoir me méfier des cadavres d'araignées. Vous devriez quand même vous préparer. Cet endroit a besoin d'un coup de ménage. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Je vous tiendrai au courant de la reconstruction du hameau. Ravi d'avoir pu aider. Je me ferai un plaisir de visiter votre boutique la prochaine fois que je serai à Rancher. À ma regrettée Marie.
Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Avada Kedavra! C'était une erreur. Puis-je vous rappeler que la principale arme d'un sorcier est son esprit ? Qu'est-ce qui se... Juré. Bon bingo. Bingo. Ah. Non. Loin d'ici. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. C'est calme. Au calme. Puis-je vous déranger un moment ? Excusez-moi, c'est bien moi que vous appeliez ? Tout à fait. Je m'appelle Marianne Moffett. Ravie. En ce moment, j'ai bien de la peine à trouver un dirico en particulier. Ah oui, un oiseau magique qui peut disparaître s'il pressent un danger. Ces créatures sont vraiment étranges, n'est-ce pas ? Saviez-vous que les moldus les appellent des dodos ? Quel nom amusant ! Je me fais du souci pour un grand dirico albino surnommé Guineira. Il s'agit d'une légende locale, et les braconniers rêvent de mettre la main dessus. Si j'en avais la responsabilité, je la traiterais comme une reine, et je pourrais utiliser ses plumes pour mes créations de mode. J'ai l'impression qu'il lui faut un refuge. Il se trouve que j'en connais un. L'endroit parfait, c'est chez moi. Attendez un peu que mes voisins la voient. Et puis, avec ses incroyables plumes, je serai à la pointe de la mode. Je ne parviens pas à la sauver. Et j'ai peur que Lady Rico ne me fasse pas confiance, car j'ai passé du temps près de leur repère. Je vais me mettre en quête d'un grand Rico blanc, alors. Oh, merci. Oh, ces magnifiques plumes. Et elles seraient en sécurité. Une dernière chose. Elle semble passer ses journées cachées. Je ne la vois que la nuit. J'espère que vous pourrez la sauver. Vous risquez de devoir courir. Parfois, je me demande si elle considère les courses-poursuites comme un jeu. J'imagine que je devrais attendre Guineira. Elle n'apparaît que la nuit, apparemment. Grotalo est un véritable joyau d'Highland.
Voilà le repère de Jericho. Mais Miss Moffett a dit que Gwyn et Hera n'apparaissaient que la nuit. Ça doit être le repère de Jericho dont Miss Moffett m'a parlé. Où est Gwyn et Hera ? Revelio. Je l'ai eu. Je dois en informer Miss Moffett. Voilà l'une des tables dont le professeur Chat a parlé. Bonjour. Vous avez pu retrouver Gwyn et Hera ? Miss Moffett, j'ai attrapé Gwyn et Hera. C'est incroyable ! Elle vous a donné du fil à retordre ? Ah, ce n'est pas difficile quand on sait comment s'y prendre. Oh, ne soyez pas si modeste. Eh bien, je peux la récupérer ? En fait, je pense qu'elle serait plus en sécurité avec moi. Mais c'était mon idée de la sauver ! C'est moi qui suis tombée amoureuse de son magnifique plumage. Oh, quelle toupée! Et que suis-je censée faire? Sans ses plumes, je ne peux pas finir mes dernières créations. Espèce de cervelle d'oiseau! J'espère qu'elle vous picorera les yeux! Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Et s'il se sentait seul ? Bonjour, madame. Tout va bien ? Depuis que Rococo s'est enfui, je suis inquiète. C'est mon nifleur de compagnie. Ça doit être terrible de perdre un petit compagnon. Merci, ça me touche. Je l'ai depuis des années. C'est un compagnon si charmant. Pendant notre balade quotidienne l'autre jour, au sud d'ici, on est tombé sur la cachette d'Henrietta. Apparemment, Henrietta était une recluse paranoïaque. Elle a rempli son château de pièges pour empêcher d'éventuels voleurs de lui dérober ses biens.
Alors qu'on s'en approchait, le soleil a fait briller un objet à travers une fenêtre. Et avant que je puisse réagir, Rococo était parti. Je me fais un sang d'encre. Mais je ne m'approcherai pas de cette maison. Et encore moins des serpents cendres qui rôdent dans les parages. Je vais essayer de retrouver Rococo. Oh, c'est vraiment très gentil. Mais ne vous approchez pas de la cachette. C'est trop dangereux. La personne qui le trouvera dans la cachette sera bien récompensée. Et les trésors d'Henrietta seront à sa disposition. Cela ne devrait pas la déranger. Que proposez-vous à la vente ? Cette cachette m'intrigue. Je devrais peut-être enquêter et voir si je trouve Rococo. On n'a jamais assez de produits à vendre. C'est ce que je dis toujours. Merci pour votre visite. Bimbourg est l'un de mes hameaux préférés dans la région. Positivement charmant. Ce doit être le château dans lequel des serpents cendres. Je ferais mieux de les contourner. Ou je peux peut-être les affronter. J'espère que les serpents cendres n'ont pas fait de mal à Rococo. Par Merlin, où suis-je ? Bombarda ! Confringo !